C'est parti. Let's go. Bon, Antonin, c'est quoi cette saison de folie? Ouais, saison. On a fait une saison incroyable. Franchement, toute la saison, on était devant. Meilleure attaque, meilleure défense. Invaincu. On fait deux matchs nuls dans la saison régulière. Et après, malheureusement, cette phase finale qui ne pardonne pas. On la perd en finale au shootout. Et ça, c'est le sport, écoute. Tu peux expliquer un petit peu aux gens comment ça arrive, qu'il y a une phase de championnat, puis ouais, une phase Donc on a fait une phase aller. C'était de septembre à novembre, si je te dis pas de bêtises. Donc là, on a fait tous les matchs aller. Et ensuite, on a repris au mois de mars. De mars jusqu'à fin avril, on a fait la deuxième partie de saison, donc tous les matchs retour. C'était plus rapide avec les JO. Ouais, avec les JO, la saison a été plus rapide. Intense. On a eu un double week-end, du coup, pour aussi un peu accélérer. Et ensuite, les phases finales. Donc c'était les quatre premiers qui étaient qualifiés pour les playoffs. Donc on a fait le premier contre le quatrième en demi-finale et le deuxième contre le troisième. Donc nous, on était tombés contre Saint-Germain. On gagne assez difficilement en plus notre demi-finale. On la gagne que 2-1. Enfin, que 2-1. C'est une demi-finale, de toute façon, c'est toujours difficile. Et en finale, on retrouve le Lilloc, qui était deuxième toute la saison aussi. Et là, on va au shoot-out. Et... Donc c'était à Lille, chez eux. Ça, c'était décidé avant la saison. Hein. Ouais, pendant la saison, ça s'est décidé. Parce que eux, ils avaient les 100 ans de leur club et un nouveau clubhouse. Du coup, ça a aidé aussi. Donc c'était très sympa et bon, ça s'est pas fini comme on souhaitait. Donc si on calcule bien sur le temps régulier, sur toute la saison, vous ne perdez pas un match. Temps régulier, non, on perd pas un match. Juste au pénalty, Du coup 17 victoires et 3 nuls sur la saison. Et vous aviez gagné à Lille. On avait gagné à Lille et on avait gagné contre Lille chez nous aussi. Ah c'est le sport. C'est le sport, c'est dur. Hein. Mais est-ce que tu peux donc te présenter aux Montrougiens? Alors, moi, je m'appelle Antonin Hugo, jeune joueur de Montrouge. Oui, t'as quel âge? 24 ans. 24 ans. Jeune joueur, mais un des plus vieux de l'équipe aussi. Je suis attaquant. Attaquant depuis tout petit. Il y a 11 joueurs un peu, donc ça peut ressembler au foot à ce niveau-là. Mais foot, après, il y a des... Comme au foot, pour faire simple, on joue en 4-3-3, nous. Donc moi, je suis dans les 3 de devant. Après, il n'y a pas vraiment d'avant-centre, avant sur les côtés, d'ailier, tout ça. Nous, ça tourne vraiment tout le temps. Donc, je peux me retrouver dans l'axe, je peux me retrouver à gauche ou à droite. Ça, il n'y a pas de souci. Ça change, c'est en fonction du match. Et après, mon but, moi, c'est de marquer les buts de l'équipe. Il y a un cercle. Et pour marquer au hockey, il faut qu'on soit dans ce cercle-là. C'est spécifique et un peu technique. Où, du coup, on attaque, on fait en sorte de rentrer dans le cercle. Pour tirer ou trouver des fautes dans le cercle pour avoir des petits corners aussi. Ou des déviations, ouais. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu, revenir un petit peu de A à Z sur ta carrière? Ouais, moi j'ai commencé le hockey, donc moi je viens de Main-sur-Loire, une petite ville en dessous d'Orléans. Donc là-bas, j'ai commencé le hockey à l'école, où mon premier coach, il nous avait fait une initiation, c'était en primaire, en CE1. Et donc moi j'avais kiffé ça vraiment, j'avais adoré. Il avait créé un club directement l'année d'après. Ok. Et moi je donc me suis inscrit. C'est vraiment la création. Ouais, la création. Moi dans mon club à Main-sur-Loire, j'étais à la création. Et on jouait que en salle nous par contre. Il n'y avait pas de gazon. Donc ça c'était un peu compliqué au début. Ensuite moi j'ai adoré, j'ai fait tout ce qui était sélection de la région. Donc on avait les championnats de France, les intercomités, ils appelaient ça. Et j'ai été sélectionné après pour rentrer au Crêpes à Châtenay à mes 15 ans. Où du coup mes parents ils m'ont dit vas-y, c'est génial, vas-y, c'est Pôle France, faut que tu y ailles. Et du coup j'ai dit je vais faire l'expérience, j'ai kiffé encore une fois. Après je suis venu sur Paris, du coup j'ai signé à Montrouge. Après j'ai fait toutes les équipes de France U16, U18, U21, senior aussi. Tout ça, je suis rentré en équipe de France senior à 20 ans, où j'avais fait ma première compète avec Léa à l'Euro. J'avais été le meilleur jeune de cette compétition. Et après, on a fait des résultats en U21, on a fait une Coupe du Monde, on a fini 3e. C'était magnifique. C'est mon meilleur souvenir de hockey. Et
Et après, j'ai joué 2 ans en Belgique aussi. C'est niveau déménagement, ouais, tout ça, ouais. Comment t'as géré ça Avec le Krebs, ils ont eu des arrangements pour qu'on ait une chambre au Crous. Donc ça, après, pareil pour les études, on avait des horaires aménagés toujours ouais. Pour le sport, pour okay. Le hockey. Ouais, ouais, c'est... Moi, c'est Emeric qui m'avait contacté au tout début, pour Emeric Bergamo, qui m'avait contacté pour venir au CAM. Qui est ton coach. Qui est mon coach ouais, actuel. Donc lui, il a un seul projet, c'est vraiment de faire du haut niveau, tout le temps. À l'entraînement, ça on voit, donc ça c'est top. Après, la relation que j'ai avec le CAM, là, c'est un club, on va dire, un peu familial. Moi, j'ai ma copine qui est là-bas et qui joue aussi. Du coup, j'ai son petit frère qui joue avec moi. Enfin, c'est un de mes meilleurs potes. On est tout le temps ensemble, on joue la play ensemble. Enfin, voilà. Et après, au CAM, moi, je travaille aussi au CAM. Je fais mon service civique, là, cette année. Donc, je passe beaucoup de temps au CAM. Je coach les petits. Après les petits sont trop contents de nous voir aussi, enfin tous les joueurs de l'équipe première, dès qu'on les coach, ils sont heureux les petits, c'est génial. Donc non, franchement c'est vraiment top, le cadre il est génial, on s'entraîne super bien, tous les joueurs sont des excellents joueurs, c'est génial pour progresser, en tout cas c'est top. Et t'as vu l'évolution j'imagine, enfin... Une grosse reconstruction quand Emeric il a repris l'équipe, où au départ le CAM ça jouait les barrages. Moi j'étais au Stade Français à ce moment-là. Ouais. Et c'était en bas de tableau aussi. Et après, donc moi quand je suis arrivé, c'est là où vraiment ça commençait à. Dès ma première année, on va jouer les finales directement. Et c'est là où vraiment, depuis ce moment-là, donc 2017-2018, je crois c'était, on est toujours dans le top 4. On joue toutes les finales, je crois, depuis un long moment. Après, il y a eu le Covid qui nous avait pas mal saboté tout ça, on va dire. Ouais. Mais non, là, on est tout le temps, on est dans le haut top depuis des années, là. Donc, c'est top, c'est génial. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'équipe de France et de... Parce que j'imagine qu'aussi ce rapport avec le CAM, par exemple Timothée Clément, des joueurs avec qui t'as joué, font partie du CAM, qui ont fait. Ouais, non, c'est génial. Déjà, dans toutes les équipes jeunes, on les a fait ensemble. Donc il y avait Lucas Monteco, Corentin, Cellier, du coup Timothée Clément, son frère aussi, Mathis Clément, moi. Après, il y en a d'autres, en U21. On a un groupe qu'au final, on se voit tout le temps. Quoi. Ouais. On est tout le temps ensemble. On a un super groupe de potes et même quand on arrive en équipe de France, on est tous comme ça. Donc c'est génial. Et ouais, le fait qu'on joue en équipe de France et ensemble sur le terrain, ça nous fait quand même un très bon niveau. Une bonne connexion. De très bonnes connexions. Ouais. Yes. Moi avec Corentin, on joue en attaque depuis tellement longtemps ensemble. Au final, on se trouve sans regarder. Quoi. Oui, parce que même quand toi tu étais en Belgique après, ouais. Lui, vous jouez ensemble en équipe de France. Ouais, donc, au final, on a toujours joué ensemble, on se connaît par cœur. Quoi. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de la particularité de la Belgique, toi qui as fait ouais. 2 années là-bas, et alors, un peu la différence qu'il y a là-bas et... ouais. Alors, donc ça, comme beaucoup de Français, au final, il y en a beaucoup qui partent en Belgique, parce que du coup, là-bas, on est semi-professionnel, on est payé, ils nous passent un appartement en général, une voiture. C'est bien plus populaire là-bas. Ouais, beaucoup plus populaire. Ça n'a rien à voir. En vrai, c'est les clubs. Nous, on a, je crois, 300 licenciés à peu près. Là-bas, c'est 1400 licenciés dans un club. Là, tu fais bon, c'est ouais. Différent. Et donc ça, le fait déjà d'être payé et le niveau de hockey, bon, c'est un championnat où il y a les meilleurs joueurs au monde. Enfin, certains des meilleurs joueurs au monde. Le niveau, c'est autre chose. C'est niveau pas international, mais on s'en rapproche. Chaque week-end, c'est des énormes matchs, c'est une intensité à fond tout le temps, en tout cas bien plus qu'en France. Et ouais, le niveau technique, individuel de tous les joueurs, c'est... Et les Belges étaient les champions olympiques, les champions olympiques en titre. Ouais. Mmh. Ouais, et vice-champions du monde. Donc, Oui, et quand on voit un peu les dernières phases de l'EHL, donc c'est un peu la Ligue des champions ouais. Du hockey, il y a souvent un club belge, ouais, un club hollandais... Belge, Hollande et Allemand, c'est... Et les Espagnols aussi, ils sont bien débrouillés cette saison en EHL. Mais que vous avez joué d'ailleurs. Donc, on pourra en parler un petit ouais. Peu, parce que c'est vrai que ça paraît loin, mais quand même il y a... C'est la Ligue des champions du hockey, où en fait on rentre, donc c'est KO 16. On a 2 matchs à jouer, sur un week-end, on joue 2 matchs.
faut gagner ces deux matchs pour passer au prochain tour. Si on gagne ces deux matchs-là, donc on passe, c'est au week-end de Pâques en général. Le week-end de Pâques, ils font les quarts, demi et finale ce week-end-là. Et oui, donc en fait, c'est un peu des petites phases de poule plus courtes, mais qui apportent l'élimination directe. Par contre, c'est l'élimination directe. Tu perds, c'est ciao. Et vous, c'était contre Barcelone ? Polo de Barcelone, ouais. Donc, on a joué au Polo de Barcelone contre le Polo de Barcelone. C'était une grosse équipe. Ils sont quart, non ? Ouais, eux, ils vont en quart. Ouais. Ils vont en quart, je crois qu'ils perdent en quart. Ça reste quand même très grosse équipe. Ils ont des joueurs internationaux qui jouent avec l'équipe d'Espagne, qui est une très bonne équipe aussi, l'Espagne. Donc des très bons joueurs techniquement, individuellement, c'est très très fort. Après, on a donné tout ce qu'on pouvait. Je crois qu'on est à 0-0 à la mi-temps. Et à la fin, on s'écroule, on perd 4-1 à la fin. Ou alors, il y avait 1-0 pour à la mi-temps, mais bon, on était dans le match. Et au final, physiquement, techniquement, ça, c'était trop compliqué. Ouais, c'est intéressant ça. Tu sais, des fois dans les sports, on dit, par exemple, au rugby, une équipe plus faible a du mal à faire un exploit contre une équipe plus forte. Au foot, une équipe plus faible peut plus faire l'exploit. Au hockey, tu le situerais comment ? Au hockey, moi, ouais, c'est compliqué, très compliqué. On peut accrocher une équipe, mais aller gagner un match comme ça, c'est très compliqué. Par exemple, nous, quand on joue, je te prends l'élite dans le championnat français, quand nous, on joue les derniers d'élite, le dernier match qu'on avait fait contre les derniers, on a gagné 10-0. Ouais, c'était donc, très bien. Il y a vraiment un gros écart. Et après, on a fait pareil, 8-0 contre une autre équipe. Enfin, les deux descendants, on a fait 10-0 et 8-0. Donc, il y a vraiment un énorme écart. Un gap dur de faire un exploit. Et à niveau européen, pareil avec les Hollandais, c'est exactement pareil. On joue en hollandais, bon, on va jouer le match, hein. On va essayer de faire un truc, mais tu sais que ça va être compliqué. Justement, est-ce que tu peux m'en parler ? Donc malheureusement, tu vas pas faire les JO sauf s'il y a vraiment des hécatombes, c'est des blessures, quoi. Ouais, tu peux nous parler un petit peu de ça, quoi. Alors, je sais que ça doit pas être facile, tu l'as vécu. C'était pas facile parce que bon, ça faisait depuis que je suis en France, donc depuis 3 ans maintenant que je suis... qu'on se préparait déjà pour ça. Après, tu l'avais en ligne de mire, quoi. Ouais, donc, ça faisait 3 ans que on se concentrait là-dessus, vraiment, Jeux Olympiques. Au début, c'est là, je viens de rentrer dans le groupe, donc je pense pas les faire. Après, petit à petit, tu te dis, finalement, je joue, possiblement, je vais les faire, et ensuite, du coup, donc là, il y a eu une sélection, il a réduit la liste, il m'a sorti, donc c'était... au début, c'était un peu dur, mais bon, après, c'est les choix du coach, c'est comme ça. C'est le sport aussi. Je suis jeune, il y a 2028 et peut-être on verra 2032, ça, on verra le corps ce qu'il dit. Parce que le hockey c'est traumatisant aussi pour le corps. Mais au moins 2028. Et donc ça, j'ai le temps. Là maintenant je suis content pour mes potes qui vont les faire. C'est franchement, ça, j'espère qu'ils vont faire un résultat au jeu. Ouais, c'était aussi ma question que je voulais. Voilà, comment tu le vois, toi ? Est-ce que, parce qu'on parlait un petit peu d'exploit juste avant, donc là, le gap est quand même en train de se resserrer. L'équipe de France est en train de grappiller un petit peu. Ouais, un petit peu, mais il y a quand même une grosse différence entre le top 6 encore, qui est vraiment très très solide, et 7, 8, 9, où nous on est 9e du coup, où la 7e place et la 9e place, on peut faire des choses, des matchs contre eux, il y a match contre eux, ça c'est sûr. Après le top 6, ça devient vraiment compliqué. Mais après, les Jeux Olympiques, c'est une compétition qui est super dure. Donc là, c'est vraiment les meilleures équipes au monde. On est dans une poule où c'est, on va dire, un peu une Coupe d'Europe. Parce que c'est vraiment que des Européens et plus Afrique du Sud. Afrique du Sud qu'ils ont battu là. Qu'ils ont battu, en Nations Cup. Ils ont gagné 2-1. And there it is. Not to be denied, Victor Charlet. Non, c'est bon augure pour les JO. En disant, t'as réussi à les battre en compétition officielle. Tes 4 premiers, c'est un pool de 6 et c'est les 4 premiers qui sortent. Donc, faut gagner 2 matchs. Donc. Toi, tu vas être derrière eux. Ouais, à fond. Même si, j'aurais le seum de Payet, mais ça, c'est. Moi, je suis juste content pour eux, ceux qui vont les jouer. Franchement, ça va être génial. Ouais. C'est top. Un peu de, on est chez Frilou. Je t'avais demandé où tu voudrais être à Montrouge. Tu m'avais proposé resto, parc, tout ça. Moi, c'était du coup chez Frilou.
parce que bah, c'est le resto, on va dire, familial. C'est le beau-frère de ma copine qui tient ce resto-là, avec du coup la sœur de ma copine. Et donc ils tiennent le resto. Eux, c'est un resto familial qu'ils ont depuis des années. Oui, c'est un des restaurants les plus historiques de moi. Ouais, donc nous, souvent, avec les copains, on vient manger ici ou même boire un verre en terrasse dès qu'il y a du soleil, c'est génial. C'est vraiment un peu le... Voilà, on peut voir la crosse de hockey sur le gazon. Et les personnes qui travaillent ici suivent le hockey aussi. Enfin, en tout cas, ceux qui tiennent le restaurant. Ils suivent le hockey depuis longtemps. Enfin, c'est génial. Et du coup, bah, c'est vrai que Montrouge, dès qu'on se balade dans Montrouge, on voit souvent des petits avec des maillots de Cam. Ouais, c'est vrai qu'ils vont à l'entraînement. Avec leur petit maillot orange, là, ça, tu peux pas les louper. Et les petits, quand ils voient shooter, ils sont là, wow, on est là, bah... Ça va venir toi aussi hein, plus tard, bah si tu clair. Continues, ça viendra, t'inquiète pas. Et justement, est-ce que tu penses qu'il y aura un petit... Vous attendez sûrement un petit effet JO club. Ça c'est sûr que même en France, la France entière attend un effet JO pour le hockey. Pour vraiment avoir plus de licenciés dans les clubs, que ça se développe encore plus que ça. Ça c'est sûr. On attend, après on espère que la France va faire un résultat, ça nous aidera encore plus. Parce que si on a... les médias qui parlent de nous, un petit effet comme ça, là, ça pourrait beaucoup nous aider à faire venir les jeunes jouer au hockey. Merci à toi.